Pourrais-tu me dire ce que c'est que ça? Que c'est à quoi? Cette tache sur ce manteau, à quoi ça ressemble? Je t'écoute. J'en sais rien. Un beignet? Un beignet? Un beignet au sucre qu'il y a sur le beignet. Moi, je trouve qu'on dirait du foutre. Hein? Du foutre d'Europe de l'Est. Il y a un énorme trou de cul qui a éjaculé sur un manteau en veau retourné de 12 000 dollars. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là, non? Ton attitude. Je suis là, oui, ton non. Attitude des déchirables et sans déjà. Deux niveaux de sécurité. Afin de rentrer, nous allons nous déguiser en gardien de sécurité de l'hôtel. Le boulot se résume à traîner dans le hall d'entrée, la bite à la main et à la fin. Il y a 35 employés qui prennent leur service tous les jours, 9h du matin. Il faut absolument se préparer pour entrer. Nous mangeons aux autres employés. Je n'ai qu'une seule passe, et j'ai l'interdiction de la prêter à qui que ce soit, c'est personnel. Maintenant, je voudrais voir votre carte. Bien sûr. Un instant. Allô ? Allô, est-ce que vous m'entendez ? Il faut que je parle au service de sécurité. Ici l'agent Donald Carruthers du FBI. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô ? C'est quoi ? Mon sang ? Ouais, c'est ça. Ça envahit tes poumons, détends-toi. Dans moins d'une minute, tu vas t'asphyxier et perdre conscience. Mais ne t'inquiète pas, ça ne sera pas douloureux, ok? Ok, on y est. Ça va, ferme tes yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ça va mieux? Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il raconte? Je pense qu'ils disent qu'il y a un con d'agent fédéral qui arrive. Un agent fédéral? Du FBI? Ouais, apparemment. C'est cool, c'est certainement. Ouais, un contrôle pour le casino, c'est bon. Ok, alors. Quand les putes seront dans le hall, je veux que tu m'appelles et je me joindrai directement à elles quand elles monteront. Une fois arrivé, je pointerai mon calibre contre la tête d'Israël, puis on sortira vite. Personne ne voudra jouer les héros. Si quelqu'un t'emmerde, je lui trouve la peau. Je suis armée, j'ai assez de munitions pour abattre toute une équipe de football. N'oublie pas qu'on est venu faire un sauvetage, pas un massacre, ok? J'en ai plus qu'assez de parler, il y a la grosse mama qui s'impatiente. Je prendrai le suivant. On te prend tout de suite, nous. Branlez-vous, les filles. Je vais pas me taper de tout nettoyer tout seul, hein. Je suis crevé, moi. Je suis pas une femme de ménage. C'est vrai. Viens là, grouille-toi. Faire ça. Pasquale Acosta, un terrible tueur à gages. El Strago, la peste. Lorsque le SAS l'a fait prisonnier en Irlande du Nord, il s'est rongé le bout des doigts jusqu'à l'os. Le service d'entretien pourrait le faire, non? Faire quoi, monsieur? Mettre les ascenseurs hors service. Procéder à une coupure d'urgence de tout le système d'alimentation des ascenseurs? Non, seulement service y est habilité, monsieur. Vous travaillez là depuis longtemps? Bill. À toi.
Tirez, tirez! Désolé, je n'ai rien d'autre à te dire pour l'instant, l'enquête continue. Il y a eu énormément de tu vas rentrer tout de suite à Washington, tu seras débriefé très tôt. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Répondez! Il est là! Tirez pas! Pitié! Tirez pas, c'est moi! Tirez pas, il est parti par là! Pitié, tirez pas! Tirez pas! Pitié, tirez pas! Cadavre dans le lac. Le dernier, lui, a souffert d'hypothermie. Il fait une crise de démence et sera très probablement amputé de plusieurs membres avant la fin de la semaine. D'accord. Ok, t'as raison. Je regrette. Tu m'as tiré dessus. Et t'as abattu mes copains. Ouais, je sais. Et tu nous as jetés dans le lac. Plus ou moins, ouais. T'es venu ici chercher un gars du nom d'Israël, c'est ça? C'est lui que t'es venu chercher, toi aussi? Israël? Alors ça veut dire que toi et moi, on s'est fait se croquer. C'est dingue, ça. Il y a une sacrée bande d'enculés, là-dedans. Slow away. I yearn for the day that it won't go gray.